Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 15 du Advent of Code 2021. Donc dans cette partie 2, en fait, ils ont trouvé une solution pour que ça soit plus long encore. Donc en fait ils vont juste multiplier la carte par 5 dans les deux dimensions. Donc en fait on se retrouve à une multiplication par... on multiplie par 25. 5 fois 5, 25. Ouais, on va rajouter beaucoup. Donc on va rajouter beaucoup beaucoup de position, et donc du coup mon algo qui était déjà lent va pas fonctionner. Donc j'ai regardé un petit peu l'algo Dijkstra, qui est l'algo, on va dire, qui est recherché, je pense, en gros, qui permet de retrouver le chemin le plus court. Alors c'est pas facile à visualiser, donc je vais essayer de l'implémenter en Rust, et puis on va voir si j'y arrive et si on a les meilleurs résultats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma partie 1 ici. Je sais plus ce que j'ai répondu 366. Ou alors je repasse sur test input et on va déjà essayer d'avoir le bon résultat. Cargo run bin 15. Voilà, donc là ça nous donne 40, donc on est bon. Et donc on va pouvoir modifier notre compute cost pour faire en sorte que bah on ait un bon un algo plus correct. Donc l'idée d'algo Dijkstra, c'est de toujours prendre le chemin le plus court, enfin d'abord analyser le chemin le plus court. Et ensuite, ça nous permet du coup de virer un certain nombre de chemins possibles. À la fin, quand on arrive à notre destination, on sait que tous les chemins, d'après ce que j'en comprends, en fait, tous les chemins qui sont plus longs que ces destinations-là, on n'a plus besoin de les visiter. Et du coup, on réduit un petit peu les cas possibles. Donc, on ne visite pas toute la carte comme moi je faisais. Donc, l'idée, c'est d'avoir on a notre carte, on a nos costs, toujours. 0 pour le départ. On a nos... différents ici, par exemple on peut aller à B, à C et à E, donc nous on va pouvoir aller à deux endroits différents. Et l'idée c'est d'abord de donc départ initial, on a tout qui est à l'infini sauf 0, donc on va prendre le plus court, on va prendre le plus petit, c'est 0. On va étudier ses voisins. Donc l'idée c'est de faire un loop, donc je pense pas qu'il y ait de récursivité là, ça va juste être un loop et on va break un moment. Donc là on a un map insert 0, 0, 0, cost insert 0, 0, 0, 0, ok. Et on va pas faire du coup le compute cost, on va hop, enlever tout ça. Et donc l'idée c'est de faire un loop et de prendre le chemin, le coût le plus court. Il faut que je garde en mémoire quand même tous les coûts. Mais du coup je vais avoir un autre hmap je pense. Alors ce sera peut-être pas un HMAP, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des trucs plus puissants que HMAP pour ça. To HMAP new, let me visit, et après on va faire to visit insert 0,0. Donc l'idée c'est de prendre le plus petit et de l'enlever de to visit. Donc on va faire let min est égal à donc let xy cost de to visit point iter point min by compare, la fonction de compare. Donc la fonction de compare, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va nous donner deux, je pense, généralement ces fonctions-là, ça nous donne deux valeurs. Donc la première, ça va être la position cost, cost A. Et la deuxième, ça va être la position cost B. Et nous, on veut faire std cmp compare cost A cost B. Pour prendre le minimum. Est-ce que ça existe cette fonction? C'est cmp, c'est juste cmp peut-être. Expected function cmp rust. Comment on fait pour comparer deux fonctions? Max, min. Min, max, ord. Donc nous on a ord ici. Donc c'est peut-être juste cost a.cmp cost b. Ok, donc ça nous donne min by. Et donc c'est un unwrap parce qu'on a potentiellement rien dans notre unwrap plutôt. Ok, donc là on récupère notre coût, notre position avec le plus faible coût. Donc là pour l'instant ça va être 0. Et on va visiter ses voisins.
Donc on va visiter ses voisins. Pour visiter ses voisins, on va faire tout ça. Donc on a notre x, notre y. Donc là, ça va être x, y pour les voisins. Next x, next y, peut-être. Quelque chose comme ça. Et une fois qu'on a visité tous ses voisins, donc déjà on va récupérer ce qu'on a la map. Ça c'est bon, le iflet, on va bien vérifier ça, qu'on est bien dans la carte. Donc si next x, next y. Donc si on est dans la carte, on va les ajouter dans le toVisit. Alors déjà, est-ce qu'on a des coûts pour cela? Est-ce qu'on a déjà un coût? Si on a déjà un coût avec cette solution-là, on est sûr que c'est le minimum. Non, on n'est pas sûr que ce soit le minimum. Donc là, est-ce qu'on a déjà un coût? Alors, on va regarder un petit peu l'algorithme. À un moment, il arrive à... Tac, il parcourt E, il parcourt C, il parcourt H, tac, là, I, J. À un moment, il arrive à J et il met 675 et il se rend compte qu'en fait, à partir de H, il peut avoir mieux. Donc en fait, on va avoir un petit peu la même chose que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que si le new full cost est égal à initial cost plus tac. Donc l'initial cost, ça va être notre position actuelle, x, y. Donc là, on peut déréférencer ça. Du coup, on se retrouve avec notre tac-tac-tac, full cost next x, next y. Full cost est inférieur. Donc si c'est inférieur, on ne fait rien. Et si c'est supérieur, là, on va insérer dans next x, next y le nouveau coût. Et la question, c'est est-ce que je le redemande de revisiter ce... Est-ce que je le remets dans toVisit? En fait, l'exemple, il n'est pas super complet sur Wikipédia parce qu'il n'y a pas un cas où on parcourt deux fois le même chemin. C'est un peu dommage. Donc là, on va parcourir le plus petit. On aura trois dans toVisit. On va tous les ajouter déjà dans toVisit, je pense. Après, ici, on va faire un... toVisit.delete, remove XY. Chose comme ça. toVisit HMap, let me toVisit insert, ok, tac tac tac. toVisit iter, unwrap. Cost. Le problème, c'est que là, on a cost qui est. Je fais un truc comme ça pour le déréférencer, ça. En fait, le problème, c'est que cost est déréf. Je peux pas mettre un truc ici, non. J'aimerais bien le déréférencer pour pas que ce soit une référence et pour qu'on puisse avoir le... Là, si je fais let cost est égal à déréférencer de cost. Alors pourquoi il est borrow as mutable? Ça, c'est une question. Ah, parce que j'ai let x, y si je fais x, y de la même manière. Donc là, on va enlever en fait les références parce que de toute façon, c'est des chiffres. On s'en fout un peu. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Donc on remove le toVisit, on n'a plus besoin de toVisit. Et ensuite, ici on va pouvoir l'ajouter. On va pouvoir insert dans toVisit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir insert? On va pouvoir insert dans toVisit. Dans toVisit insert. La même chose que dans cost en fait. On va faire exactement la même chose, mais sauf que toVisit. Et ensuite, du coup, on prendra le minimum dans toVisit. Pour le visiter et ensuite et ainsi de suite et ainsi de suite. Je suis pas sûr que ça fonctionne tout de suite. Unwrap line 31. Donc ce unwrap là
à bugger parce que je pense qu'à la f... à un moment on n'a plus rien en toVisit. Et du coup, il faut qu'à un moment, quand on n'a plus rien en toVisit, ça veut dire qu'on a fini. If toVisit is empty, break. Et ici, je peux faire un dbg de cost, voir ce que ça donne déjà. Est-ce que je peux faire ça après le break pour récupérer le truc qui est en bas à droite? Donc ça me donne bien 40. Donc ça, ça fonctionne, cet algo. Est-ce que sur le raw input, il est plus rapide, cet algo, déjà? Il est beaucoup plus rapide sur le raw input. Et il me donne 366, qui est le même résultat qu'avant. Donc je me demande si j'ai pas... non. Ah oui, non, c'est 366, celui que j'ai rendu, c'est quoi? Ouais, donc... donc je pense que mon algo doit pas être trop mal. On va voir si sur un plus grand, une plus grande carte, ça, ça soit toujours aussi rapide. Donc l'idée, c'est de faire la même chose, mais pour la part 2. Alors peut-être mettre ça du coup dans une... peut-être mettre ça dans une fonction. Donc dans compute cost, par exemple, on va lui donner une map. On va lui donner... là, ça va nous renvoyer un U32, par exemple. Et ça va nous renvoyer, du coup, ce truc-là. Tac. Map insert. Les costs, ça, le mute cost, on n'a pas besoin, du coup, parce qu'on le crée nous-mêmes. La position, on n'a pas besoin parce qu'on commence à 0 tout le temps. Donc en fait, on a juste besoin de la map. Ça nous renvoie un U32. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bon? Found tuple, c'est parce qu'on n'a pas enlevé ça. Et ici, on va peut-être déréférencer quelque chose. Voilà. Ok. Map insert. Ça, on peut le faire dans la partie ici. Map insert et tout le reste, du coup, on va pouvoir faire hop, let result est égal à compute cost de map. Et donc là, on peut faire hop, result. Est-ce que c'est bon? Unused variable cost. Pourquoi cost n'est pas unused? Parce que. Je pense que c'est initial cost en fait là, ce même, c'est le même chose je pense que ce qu'il y a dans toVisit. Parce qu'on le prend dans cost. Je pense que je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être faire ça, ok. Et du coup si je relance ici cargo bin 366, c'est le même résultat. Donc on a l'air d'être pas trop mal. Donc maintenant je vais pouvoir faire ma partie 2. Donc pour ma partie 2, il me reste plus qu'à créer la carte. Ce qui n'est pas... ce qui est plus facile. Enfin, c'est quand même assez complexe la création de carte. Parce qu'il va falloir qu'on la duplique, la carte, 5 fois vers la droite, 5 fois vers la gauche. Donc on va faire un for ink x in 0.2.5. Donc là on va faire 0, 1, 2, 3, 4. Alors plutôt on va peut-être faire 1, 6. Comme ça on aura le bon chiffre direct. Et on va voir aussi l'incrémentation par y. Donc ink y. Et ensuite, du coup, pour chacune de ces trucs-là, on va insérer dans la carte. Let initial map est égal à map.clone. On va faire for xy, virgule, cost in initial map. Donc pour ça, pour toute cette carte initiale, on va rajouter une carte à droite, une carte en bas, une carte à gauche. Donc là, on incrémente. Est-ce que c'est x5? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait... on avait une carte comme ça, donc on a ça, et on va avoir 2, 3, 4 et 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut faire de 0 à 5, je pense. Juste. Et on va dire que si if inc x est égal à 0 and inc y est égal à 0, continue. On va juste pas faire le 0, 0. Et ensuite, du coup, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4. Alors, comment on fait ça? Donc, pour chacun des chiffres, on va incrémenter le x par la taille de la map. Donc, la taille de la map, ça va être... ça va être ce petit algo-là. Ce petit algo-là va nous permettre d'avoir la taille de la carte. Et du coup, on va pouvoir dire... donc on va avoir déjà un let inc est égal à inc x plus inc y. Donc ça, c'est parce que en plus de copier-coller, en fait, on ne va pas copier-coller la carte comme telle quelle, on va aussi incrémenter. Donc là, par exemple, on passe de 1-1 à 2-2, puis à 3-3, puis à 4-4, puis à 5-5. Même chose ici, on fait 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 et 5-5. Et en diagonale, du coup, ça s'additionne. Donc là, ça va faire 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Du coup... on va faire let new cost est égal à cost plus inc. If cost est supérieur à 9, dans ce cas-là, new cost est supérieur à 9, et new cost supérieur moins égal 9. Donc si ça passe à 10, on va avoir 1 du coup. Donc ça, c'est notre premier truc. Deuxième chose, donc on va devoir maintenant du coup insérer le truc. Donc on va faire map.insert. Donc dans x plus 1x fois max x, y plus 1y fois max y et new cost. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Alors il ne veut pas du tout pourquoi. Cannot add to i32. Donc x, y, ça doit être des il faut sans doute les déréférencer. U32 to i32. Alors qu'est-ce qu'il y a en i32, qu'est-ce qu'il y a en u32? Là c'est des i32 et nos inc ça va être donc c'est des u32 les inc. Alors pourquoi c'est des u32? Moi j'aimerais bien que ce soit des i32, on va mettre juste des as i32. Alors, est-ce que ça suffit? Donc, on prend x. Donc, par exemple, on est ici, on va prendre... donc, le x, ça va être 0. Plus 1x, qui va être 1. Fois max x. Donc, max x, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va se retrouver à 0 plus 1 fois 10, donc ça va donner 10. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc normalement, je pense que ça devrait être pas trop mal, cet algo. Après, comment le tester? Ça, c'est une bonne question. Je vais peut-être tester que dans les coins, j'ai les bons trucs. Donc c'est des 6 dans les coins. Je sais pas trop comment tester ce truc. Bah, je peux peut-être l'afficher aussi, hein. je peux essayer de l'afficher. On va l'afficher, on va faire un for. On va refaire un maxx, c'est ça. J'avais peut-être un truc avec un println, si je fais println, quelque chose qui m'affiche des print map. Voilà, ça par exemple. Donc là on va faire map.get let cost est égal à map.get de xy.unwrap print cost. Donc là on est dans partie 2 compute cost.
Donc là, on n'est pas trop mal, je pense. On peut faire un return ici juste pour avoir le premier calcul. Je vais faire pas. Je crois que j'ai test. Non, je suis en raw input encore, donc on va faire test input. Ok. Alors, test input. On a bien des 6 dans les coins, un 9 ici. Donc là, on a bien 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 1, 1. On aura un 3, 3 qui se balade au milieu là. Au milieu du 2, 2, 3, 3. Voilà. Donc ici, on a notre 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Donc j'ai l'impression que notre carte est bonne. Donc on n'a plus qu'à maintenant enlever notre return. Et calculer notre coût. Ça donne 290. Je crois pas que ce soit le bon résultat. 315. Donc là, on a un problème d'algo. Alors ça, c'est problématique. Parce que du coup, pour débugger ça, ça va être compliqué. Pourquoi ça fonctionne sur une petite carte, mais pas sur une grande? Alors je me demande si c'est pas forcément, du coup... un problème plutôt de carte que de... Donc on avait 366 au début. Non, ça m'étonne. Non, c'est 366, c'est le raw input. Et 315 pour cet input là. Donc 1, 1, 2, 3, 7, 1. 1, 1, 2, 3, 7, 1, 1, 3. 1, 2, 2, 3, 4. 3, 2, 4. Ok, j'ai l'impression que quand même la carte a l'air bonne. Donc ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le 315, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le bon résultat. Compliqué à débugger ce genre de truc. Alors, on récupère le coût minimum. Si on est inférieur ou égal, on continue. Sinon, on insère dans cost et puis on insère dans toVisit. toVisit, on le vire. Alors, re-regarder l'algorithme, hein, peut-être voir si on n'a pas une... Donc, initialise tout à plus à l'infini. Ok. Le 0 au début. Tant qu'il existe un sommet hors de P... Donc c'est les sommets pas visités, les sommets P. Choisir un sommet hors de P le plus petite distance DA. Choisir un sommet alpha hors de P de plus petite distance DA. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Mettre A dans P. Donc ça veut dire qu'on l'a visité. Ça veut dire qu'on l'a... Ouais. Dans les costs. C'est pas tout à fait exactement le même algorithme. Initial cost, cost, visit remove. P est égal à ensemble vide de base. Qu'il existe quelque chose qui est tant qu'il existe un sommet hors de P. Choisir un sommet A hors de P de plus petite distance DA. Est-ce qu'il faudrait pas que je mette tous mes sommets dans toVisit à la base? Est-ce que là il faudrait pas que je mette un for parce que là, il les initialise au début dans D, ils mettent tous les sommets. Ils initialisent à plus l'infini 0. Choisir un sommet alpha hors de P de plus petite distance DA. Mettre A dans P. J'ai l'impression que ça fait la même chose. Pour chaque sommet B hors de P voisin de A. J'ai l'impression que le toVisit ici est trop. Il faut mettre le toVisit seulement si on n'a pas. Enfin, il faut pas qu'on revisite en fait un nœud. J'ai l'impression qu'on revisite les nœuds alors qu'on ne devrait pas. Que eux, dès qu'on a visité un nœud, dès qu'on parcourt un nœud, quel qu'il soit, on l'insère.
Et ensuite, on ne revisite jamais un nœud qu'on a déjà visité, en fait. Alors que moi, je revisite des fois des nœuds que j'ai déjà visités si on a un truc qui est plus petit. If cool cost est inférieur à new full cost, continue. Alors, Dijkstra. Déjà avec un nom pareil. J'ai limite envie de le faire un peu de manière bête et méchante, suivre leur algo. Comme ça, ouais. Je pense que je vais faire de bête et méchante, suivre leur algo, et puis on va voir. Donc, tant qu'il existe un sommet hors de P. Du coup, on va faire un. Donc P, ça va être un H7. On va créer un H7. C'est les sommets visités. Donc c'est un H7 de I32, I32. Ok. Donc P est égal à ensemble vide. Ok. DA égale plus infini pour chaque sommet. Donc on va avoir D. Let D est égal à HMAP I32, I32, virgule U32, c'est le coût. Donc ça c'est un HMAP new. D est plus l'infini pour tout le monde. Donc for position in map.keys. Donc pour chacune des keys, on va mettre d.insert position U32 max. Donc on met plus infini pour chaque sommet de A. Ensuite, on met que la position 0, donc d.insert 0,0 est égal à 0. Tout ça, on n'a pas besoin. Ensuite, on va parcourir tant qu'il existe un sommet hors de P. Tant qu'il existe un sommet hors de P. Ça veut dire while. Tant qu'il existe un sommet map.keys.length let number of positions est égal à ça map.length et while number of positions est inférieur p.length est inférieur donc en gros tant que j'ai pas tout mis dans p tant que j'ai pas tout mis dans p choisir un sommet A hors de p de plus petite distance d'A donc là on va parcourir toute notre carte choisir un sommet de A donc c'est map.iter.filter on va virer tous ceux qui sont dans P. Donc on a une position, virgule, rien du tout, on s'en fout du coup. Et on va dire P.contains position. Donc filter, on révire tous ceux qui ont déjà été visités. Point min by avec le plus petit coût. C'est là où on met notre unwrap. C'est là que ça peut être un peu coûteux parce qu'on va parcourir tout le graphe à chaque fois. Unwrap, qu'est-ce que j'ai ici comme erreur? Tac, tac, tac. Costa, unwrap, ok. Donc là, l'idée, c'est que pour chaque. Choisir un sommet alpha, donc choisir un sommet hors de P. Donc c'est pour ça que je reject tous ceux qui sont dans P.
et de plus petite distance DA. Ce que je cherche, du coup, c'est dans D que je les cherche. C'est pas dans Map, c'est dans D que je les cherche. Ok, ensuite je dis mettre A dans P. Tac. Donc je vais faire P.insert XY. Ok, j'insère dans P. Pour chaque sommet B hors de P voisin de A. Donc là je parcours tous mes voisins. Je vais dire if map contains key next in xy là. Tac. Donc, il faut que la map contienne, donc parmi tous les voisins. Donc ça c'est parmi tous les voisins. Parmi tous les voisins hors de P. Donc là j'ai juste à dire if P contains tac, next x, next y, continue. Donc si on est déjà dans P, on s'en fout. Si D est supérieur à A, donc if, alors on a un new cost, je pense qu'on va pouvoir faire new full cost égale A, du coup new full cost c'est l'initial cost, donc c'est DA. DA c'est l'initial cost, ouais c'est DA. Et plus entering cost, c'est le poids de AB, donc c'est le entering cost, oui. On est bon. Donc là, new full cost, on est là. Bon. Si DB est supérieur à ça, donc if DB est supérieur à... Donc D forcément existe. On peut dire if D.get de next x next y point unwrap est supérieur à new full cost. Je fais un unwrap parce que je sais que D forcément il contient forcément tout. Dans ce cas-là, on dit que db d.insert new full cost. Expected tuple fan tuple, ok. New full cost, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Mismatch, ok, ça soit. Ok, donc là, on l'insère. Et prédécesseur de B est égal à A. Oui, ça, je m'en fiche du prédécesseur parce que on ne l'utilise pas. Nous, on n'a pas besoin d'avoir le chemin, on a juste besoin d'avoir le poids. Tac, tac, on ferme tout ça. Et là, on va voir dans D. Est-ce que cet algo-là est bon? Déjà, cet algo-là met beaucoup de temps à tourner. On obtient 290. Est-ce que c'est le bon résultat? Toujours pas. Toujours pas le bon résultat. Je ne vois pas pourquoi. Alors je vais enregistrer cette fonction là, je vais revenir en arrière, parce que déjà elle est beaucoup plus lente et elle me donne le même résultat, donc on va revenir en arrière, on va revenir à notre système avec notre ancien algo qui était plus rapide, avec le toVisit. Tac. Je crois que là on est bon, on va le copier-coller en dessous. Compute cost Wikipédia. On peut remettre le hset là-haut. Hop. Ok. Donc si je remets là, si je relance, on obtient bien 290. Donc deux algos différents écrits de manière totalement différente donnent le même résultat. Donc ça nous donne vraiment quand même une indication sur le fait que c'est peut-être pas l'algo qui est en problématique. C'est peut-être juste la carte qui est pas bonne ou alors où il nous manque quelque chose. Parce que 290 et 315, il nous manque quand même beaucoup. Il nous manque 25. Ce qui est beaucoup. Après, ouais,
C'est quand même beaucoup de 25. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème de carte? C'est la question que je me pose, mais on a déjà vérifié 15 fois la carte. 4, 7, 9 en bas, par exemple. On est bien 4, 7, 9 en bas. 33, 4, 7, 9. On est bien 33, 4, 7, 9. Donc la carte, où que je regarde, j'ai l'impression quand même que les chiffres sont bons. Donc ça m'étonne quand même le fait que en ayant écrit deux fois le même algorithme, je tombe sur deux fois le même résultat, 290. Il termine by, ok, tout is in. En plus, je tombe sur un chiffre qui est plus petit. Donc ça voudrait dire que je... C'est quand même très étonnant. Qu'est-ce que je pourrais avoir loupé? Each single the position of value of 8 on the top left tile. Alors, je comprends, il faut que je relise peut-être ça. La cave est à 5 fois large. J'ai pas compris cet exemple-là. So, if your original map has some solution with a risk level of 8, of the 25 total tiles will be as follow. Ah oui, en fait, non, c'est juste qu'il nous explique que. Ok. Ok, donc ça il nous explique juste que ça s'incrémente et que ça passe de 9 à 1 à 2 à 3. Donc ça je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir loupé d'autre? Qu'est-ce que je pourrais avoir loupé d'autre comme algo, comme problème d'algo? On entre à un endroit. Si j'affiche le coût, on peut peut-être afficher le coût et voir si cost map get unwrap. Alors là, j'affiche map get cost, oui, donc j'affiche donc cost, ok. Donc là, si je fais à la place de ça, je fais cost. Ah, mais je l'ai plus du coup le cost. Donc si je le fais dans compute, et que là, je fais cost.get.unwrap. Alors ça va être sans doute un peu cassé, voilà, parce qu'il y a des coûts qui sont supérieurs à... Là je peux dire if cost est supérieur à 9, dans ce cas-là j'affiche autre chose, juste pour avoir une carte qui soit correcte. Ok, donc c'est normal que les coûts soient plus élevés. Mais du coup, au début, on est à 0. Après, on est à 1. Pour regarder déjà si on a les bons chiffres ici. Après, on passe à 1. Après, on va passer à 3. Après, 6. Ok, et après, 6 plus 7. Effectivement, là, on est plus bon. Et c'est normal. Et là, si on passe de 3 à ici, on passe à 4. Donc, ça me paraît correct, le coût. On va peut-être enregistrer le prédécesseur. Pour pouvoir savoir le chemin auquel je passe. Donc on va faire let previous est égal à hmap new. Et si on enregistre quelque chose, dans ce cas-là, je fais previous.insert next. X next y x y. Ok. Et si là ici j'affiche la carte, on va avoir un let path est égal à h7
new. On va faire for, on va faire loop. On va parcourir notre hachette dans l'autre sens. Donc on va commencer par dire let previous est égal à let mute position est égal à max x max y. Et comme ça, on pourra voir au moins si on passe par le même chemin ou pas. Position est égale à max x, max y. Ok. Let. Donc là, on va faire path.insert position. Ok. Ensuite, on va faire position est égale à path.get. Position, quelque chose comme ça. Point unwrap. Effectuable. Quelque chose comme ça. Position, ici on peut passer en référence, ok. Et l'idée c'est de dire que si position est égale à 1, if position 0 est égale à 0, if position est égal à 0,0, dans ce cas-là, on break. Donc comme ça, on a d'autres chemins. Et ensuite, on peut faire rust print cli color. On va voir si on peut faire une couleur. Color terminal input. On peut juste faire ça pour le mettre en couleur. Donc on va dire if. Donc là, on va pas faire le cost, on va prendre le map. J'ai déjà changé en map ici. J'avais déjà changé en map, ok. Donc si path contains x, y, dans ce cas-là, on va l'afficher de manière. On va afficher le cost de manière comme ça. Et sinon, on va l'afficher normalement. println. Alors, je pense que j'ai une loupe infinie ici. Donc, ce qui expliquerait un petit peu le problème. Ok. If position. Alors, on va faire ou path.contains position. C'est-à-dire que si on tourne en rond, et bah, dans ce cas-là, effectivement, je vais pouvoir faire ça. Ça ne fonctionne pas du tout, le color output, et en fait, du coup, ça veut dire que j'ai un souci. Mon 0, 0, alors, je vais faire peut-être mon dbg de... Ah oui, non, j'utilise path get. Pourquoi path get? Comment ça fonctionne, ça? Path insert position, path get. Ouais, c'est complètement bidon. C'est preview, si vous utilisez preview, c'est un moment quand même. Je sais même pas comment ça compile. Previous get position wrap. Ok, donc là il y a toujours mon color output qui fonctionne pas. Ok, il y a peut-être une crate du coup qu'on peut installer. Hop, on va mettre dans cargo.toml dans les dependencies. Et comment on fait pour println or use cyan? Ok. On peut le mettre en red du coup comme ça. Ok, donc là on va installer le package, le télécharger. Print it green work blue bold. Ok. Donc normalement on va voir si le chemin correspond ou si un moment on a un décroché. Bah dis donc, ça prend du temps le building de
une petite bibliothèque comme ça. On s'attend pas à que ce soit aussi long. J'ai un peu le problème de Rust. Je vois vraiment pas où est-ce qu'on pourrait avoir un problème d'algo. C'est très étonnant. Très étonnant. Alors que j'arrive à, surtout que j'arrive à un chemin plus court. Enfin, que j'arrive à un chemin plus long. Pourquoi pas? Ça me paraîtrait pas déconnant parce que du coup, ça voudrait dire que j'ai pas exploré tous les chemins possibles et que du coup, bah, ça pose problème. Mais là, que j'arrive à un chemin plus court, c'est un petit peu étonnant. Il est en train de build. Building, ok, très bien, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à importer déjà que je regarde sur ce truc-là? Extern crate use colored. Jamais, je crois pas qu'il y ait besoin de l'extern crate. Et bah dis donc, je sais pas ce qu'il fait ce truc. Je me demande s'il est pas planté. Si je quitte mon truc. Alors, j'ai planté mon cas, mon... Cargo, release, lock. Cargo clean. Waiting for file lock on package cache. Ça ne fonctionne pas. Ok. Donc RLS, je sais pas qui avait planté ou... Oula oui, ça télécharge des trucs doucement. Ok. Bon, au moins ici on a un retour. Ok, donc en attendant. Si j'atteins 290, ça veut dire que j'ai trouvé un chemin plus court que celui-là, qui serait très étonnant. Ou alors que je me suis trompé d'un coup dans mon calcul de coût. On peut le rouvrir maintenant, je pense. Donc partout. Après, je fais un compute cost. J'affiche ma carte. Donc, l'affichage de la carte, ça, on n'est pas obligé de le mettre maintenant. Oh, est-ce que j'ai fait le 0 avant? Non, j'ai bien fait le map insert 0 après coup. Parce que ça aurait pu être du coup que je fasse un 0, mais on l'aurait vu. Compute cost. Cost insert 0,0. Ok, le crate.io index est très très gros. C'est pour ça que ça mettait du temps. To visit is empty. Donc, tac-tac-tac. Entering cost, c'est le... On l'obtient depuis la map. Le full cost, c'est l'initial cost, qui est depuis le... To visit. Et dans tout visite, j'ai le full cost. Donc c'est bien full cost plus l'entering cost du prochain. Previous insert. Donc ça c'est juste pour sauvegarder là.
New full cast. Je vois de problème d'algo. Hein. Ça va être une vidéo un peu longue, je suis désolé, mais je vois pas le problème. Donc ça, je suis pas sûr d'avoir besoin de ça du coup maintenant. Ça accélère. Donc je pense pas avoir besoin de ça. Et entering cost, toujours la même chose. Map get. Pip contains, initial cost, puis entering cost. Ok, red not found in this scope. Donc là, on a un souci. Red on blue, tout true color, dependent on it. Not needed in REST 2018. Tada it.green. Ah oui, du coup, c'est pas sur ça qu'il faut le faire, c'est cost. Ça. Format. Si je fais quelque chose de ce genre-là. C'est un peu bidouille, mais c'est pas grave. On s'en fout à la rigueur. Hop, ok. Donc ça, c'est là de bon. Et du coup là c'est pas println, c'est print. Et ça a l'air d'être... Ah non, on prend pas le bon chemin. Ok, on prend pas du tout le même chemin. C'est très étrange. Alors est-ce que déjà le coût est bien ce qu'on pense? Je pense pas que le coût soit bon du coup. Où est-ce que je calcule mon... coup. Où est-ce que je fais mes previews? Ici. Position, tac, tac, tac. Et donc l'idée, ce serait de faire ici, du coup, let sum, let mute sum est égal à 0. Et faire sum plus égal à map.getPosition.unwrap. Map get position, tac tac tac, et faire un println de sum. À la fin. 281. Donc déjà, on n'a pas le même. On n'a pas, pas la même somme entre tac tac tac, 7, 9. Tout ça. Si je fais ça sur. Euh, 365, 366. Donc déjà j'ai pas la même somme ici. 365, 366. Parce que je somme pas le bon truc. Qu'est-ce que je somme? Mon somme plus égal map get position. Donc je vais le faire avant déjà. Ok. Pourquoi la carte est grande ici et petite ici? Ah oui, parce que ici c'est ma carte initiale. Donc si dans le part 1, je fais test input. Donc là il est tout petit et on a bien 0, toc toc toc. Là on a bien le bon chemin, je pense. 2, 1, 3, 15, 11. Ok, donc là on a le bon chemin dans la partie 1. Par contre, ici on n'a pas le bon chemin. Mais on a bien 290 en somme de tous les résultats. Donc la question que je me pose, c'est si on a 290 en somme et qu'ils nous disent que le résultat c'est 300. Est-ce qu'ils n'ont pas une faute? 315, ça me paraîtrait énorme qu'ils aient une faute. Mais je vois pas pourquoi j'aurais pas cette. Parce que moi j'ai refait la somme. 290 33 479 33 479. J'ai bien la même carte et j'ai refait la somme de tout le calcul et j'obtiens bien 290. Donc ça veut dire que c'est bien j'ai moins que avec ce chemin là.
vais pas me taper la somme à la main, quand même pas. Faut pas déconner. Y a pas de discontinuité ou d'endroit où je passe à un endroit où je pourrais pas passer. Parce que là, je passe par le 9 de 1. Est-ce que je le vois ici? Je passe sur cette rangée. 9, 2, 1. Je passe ici. Ok. Je vois vraiment pas. Je vais essayer je suis tellement bloqué que je vais essayer le raw input. Ça me donne 2799. Et on va tester quand même 2799. It's too low. Donc ils me disent bien qu'elle est trop basse. Comment ça se fait que j'ai un truc trop bas? Alors que quand je réadditionne, j'ai bien le bon chiffre. Ça peut pas mentir. J'ai bien aucune discontinuité dans mon chemin. Je fais bien tout le tracé pour savoir si j'ai pas de discontinuité. Si je les additionne, ma somme, elle est bien. Enfin, c'est une somme extérieure. J'ai deux algos qui me donnent le même résultat, plus la somme extérieure qui donne le même résultat. Et la somme, elle peut pas mentir. Cette somme-là, elle peut pas mentir. Je vois vraiment pas comment elle pourrait mentir. Ce truc-là, d'un coup, j'en ai plus besoin, je pense. C'était tout à l'heure quand j'avais un bug. Comment je peux avoir un calcul aussi foireux? Si je cherche genre cette ligne-là, est-ce que je la trouve? Ah, ok, c'est bien ma carte qui est pas bonne. Pourquoi ma carte est pas bonne? J'ai vérifié mes cartes. 4, 7, 9, je vérifie à plein d'endroits ma carte. 0, 1, 6, 3. Si je cherche ça, je vais bien le trouver. Ok. 2, 2, 2. Oh là, c'est con. Je saute un truc. Bon. Bon, alors. Tout ça pour ça. Souvent, des fois, il y a des erreurs comme ça. Franchement, je me doutais bien que c'est la carte. Parce qu'avec deux algos différents qui donnent le même résultat, j'écrase la dernière colonne, en fait. Normalement, je suis censé avoir 2, 2, 4. Ici, j'ai que 2, 4. Donc je perds en fait cette colonne-là, je l'ai supprimée sans faire exprès. Alors, pourquoi j'ai supprimé cette colonne-là? Mon x, c'est x plus. Donc imaginons que je suis à 0, je fais 0 plus 1 fois. Ah, max x, max 10, il faut faire plus 1 ici. Voilà, perdre du temps pour juste ça. Et bah du coup, j'ai juste à faire pour raw input à la place de test input. Oups. 2829. Et c'est le bon résultat. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai fait une erreur à la con. C'était un plus 1 qui me manquait. J'ai passé une demi-heure, je pense, facile là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.